not just a new rifle. It's the next generation of technology. A product of research and development unrivaled by the world leader in bolt actions. This isn't just a rifle. This is our future and yours. The new model 783 from Remington. Ça bouge pas là. Vite en vers ici, à pied. Il y a une cache ici. Il y a une cache là sur la côte. Oui, j'ai vu la cache. Ok. Je t'en viendrai tranquillement vers ici. Ok.
Allez. We'll be right back.
route quand même. Bien, bonjour René. Bonjour Jean-Marc. Merci de nous recevoir donc sur ton île, la perle du Saint-Laurent. Ça me fait plaisir de vous recevoir sur le joyau du Québec, le joyau naturel du Québec. Ah, c'est une véritable merveille. Ça fait 3 jours qu'on est là. Avant de m'intéresser aux photographes, j'aimerais poser une question au guide. Oui. En 3 jours, on a constaté qu'il y avait pas mal de chevreuils. On en a dénombré 21 en 3 jours. Par contre, sur les 21, on a trouvé 15 femelles, deux non identifiés et 3 mâles, dont 2 qu'on a pu prélever, qui sont des animaux a priori qui ont entre 1 an et demi et 3 ans, je pense, oui. Hein, puisqu'on a tiré un spike 2 pointes et un 4 pointes, donc je pense que c'est dans ces âges-là. Bien que je ne connaisse pas très bien le cerf de Virginie. C'est ça. Entre 2 et 4 ans. Voilà. Donc la question que je voudrais poser est la suivante. Quel est, pour l'espèce cerf de Virginie, le sexe ratio, donc mâle-femelle? Le sexe ratio, c'est une très bonne question. Moi, je dirais, dans un milieu qui n'est pas tellement chassé, c'est à peu près 50-50. Mais dans les endroits où c'est chassé, c'est sûr qu'il se récolte plus de bocs. En période de rut, entre autres, au mois de novembre. Donc, normalement, dans les secteurs où on est actuellement, là, je vous dirais que c'est à peu près 60-40. 40 % de bocs, 60 % de femelles. Ça semble être, pour ce que vous avez vécu cette semaine, ça semble être fort comme ratio peut-être, mais les gros mâles sont plus réclus. Ils ne sortent pas beaucoup sur les terrains ouverts actuellement. Ils sont moins actifs. Là. Ils ramassent, si vous voulez, des réserves d'énergie pour le rut. C'est une période où ils sont plus dans les forêts denses, fermées, difficiles d'accès ou difficiles d'approche pour la chasse fine. Donc cette année, il y a probablement une diminution au niveau des mâles adultes, des gros mâles adultes, parce qu'on a eu un hiver assez difficile pour le cerf. Un hiver qui a commencé très tôt, juste après le rut, qui s'est prolongé jusque pratiquement au milieu mai. Donc, les mâles ont moins de réserves de gras, moins d'énergie pour résister à un hiver difficile comme on a eu. Donc, probablement que le ratio gros mâle cette année est plus faible. Mais on va voir quand même là, très, très bientôt, là, avec le froid et les premières neiges, ils vont sortir là, des forêts denses et on va voir plus de gros mâles adultes, probablement. Alors maintenant, c'est plus au guide de chasse de la CEPAC que je m'adresse, mais au photographe animalier. Tout d'abord, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous êtes sur l'île d'Anticosti. Moi, je suis arrivé à Anticosti en 1974. Donc en 1974, je pratiquais déjà la photo. J'avais commencé chez moi à l'âge de 15 ans. J'avais une chambre noire, je développais mes photos en noir et blanc. Et lorsque je suis arrivé en Anticosti, pour moi, c'était une paradis terrestre, les chevreuils partout, les renards, les baleines, les phoques, les aigles à tête blanche. Et j'ai continué à faire de la photographie depuis ce temps-là. Alors effectivement, ça avait pas mal d'espèces à photographier. On a eu la chance, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'air d'aigles à tête blanche sur l'île. On a eu la chance d'en voir un au-dessus de Chicotte passer au-dessus de la plage. Mais dans le brouillard, il s'est évaporé, on ne l'a pas vu bien longtemps. J'avais une question à vous poser. Quel est le parmi les animaux qu'on a vus, c'est-à-dire renard, cerf de Virginie, etc., quelle est l'espèce que vous avez le plus plaisir à observer et à photographier, sachant que parmi les
centaines de photos que vous avez mises sur votre site, on voit beaucoup de renards, entre autres. On voit de très beaux bucks aussi, bien évidemment. Mais on voit beaucoup de combats de renards. Il y a tellement de couleurs différentes. Je voulais savoir si c'est un des animaux que vous préférez photographier. C'est définitivement le renard. Parce qu'il y a tellement de variétés, de couleurs. On peut, l'été, ils sont différents de l'automne, le pelage est différent. On peut les voir souvent dans les herbes, là, en mouvement, beaucoup. Mais certainement le cerf aussi, qui est très, très intéressant à photographier. Okay. Et les lièvres aussi, qui sont très nombreux sur l'île aussi? Oui, les lièvres, les gélinottes, les perdrix, oui, ouais. Définitivement. Les aigles sont plus difficiles, mais il y en a quand même passablement sur l'île. Ils sont dispersés. Ça prend à ce moment-là plus d'équipement. Et vous avez prévu de rester encore longtemps sur cette île? Probablement encore au moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années. J'espère, selon la condition physique, bien sûr. D'accord. René, merci pour ce petit entretien. Ça me fait plaisir, Jean-Marc. J'ai eu plaisir à vous rencontrer, j'ai eu plaisir à vous avoir au téléphone. Et puis j'espère qu'on aura réalisé une jolie petite vidéo. Voilà. Merci. De toute façon, on vous tient au courant rapidement. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Ciao. Découvrez le Trophicam de Buchnel. Révolutionnaire et idéal pour mieux connaître et surveiller votre territoire, le Trophicam prend des photos et des vidéos de jour comme de nuit. Très facile d'utilisation, il s'installe sur le terrain en quelques minutes. Rejoignez la communauté et partagez vos meilleurs clichés sur le site trophicam.fr. Buchnel, l'innovation au service des chasseurs.
c'est parti. On peut mettre le reste. En fait, faut saisir le dessus, dedans on mange cru, c'est pas. Petit filet mignon de cerf de Virginie, une véritable tuerie.